Et tu pourras mettre le nom de mon cher collègue. Bonjour à tous, nous voilà donc pour le top 4 de Tickers Strive lors de notre tournoi Gamers Garden 4ème édition. Donc bonjour Pac-Man. Hey, bonjour, salut Dandam. Enchanté de commenter avec toi. Bah ouais, tout pareil. Donc nous allons assister à ce top 4. Donc on a fait un round robin hein, qui a débouché sur un top 4. Le top 4, ça sera donc. Est-ce qu'on peut avoir le bracket, cher régisseur? Non, perdu. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait, régisseur? Ah, attends. Alors, on règle les derniers. Petit réglage. Voilà, nous avons donc le bracket final. Avec, on va donc assister à Pataxus contre Lord Rake. Et ensuite à Neos contre Akrid. Vraiment que des gros matchs. Oui, là, il y a du gros, gros niveau. Là. Du gros poton. Allez, envoie-nous ça, Gondal, s'il te plaît. Ils sont voilà. Pas venus pour niaiser. Donc, messieurs, si vous voulez, on peut attaquer. Donc, ça sera FT3. Hein. FT3 pour tout le top 4. Et bon jeu à vous. On a donc Pataxus hein, qui va jouer cheap. Un type de vampire. Oui, 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 qui ne laisse aucun répit, ce aucun, type. Aucun répit. Non, non, pas le temps. Et qui va donc affronter Lord Rake et sa Inno. Pareil, un Inno très... Inno des Enfers. Inno des Enfers. Inno des Enfers. C'est le match des Enfers. Oui, 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 oui. Vraiment, ça a fait du sale. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, ça se charge. Voilà, le chip qui va attaquer directement. Ah, le chip hein, qui est très fort, qui a des très bons mix-up, mais qui est très fragile. Donc, faut faire très attention. Inno, ça peut taper quand même. Voilà, le ultra consenti, voilà, ça va directement burst pour éviter les embrouilles. Voilà, ça va taper en corner. Hey. Allez, ça va cancel pour maintenir la pression. La grosse pression là sur la Inno, mais qui a une bonne garde. Voilà, va réussir à se sortir quand même. Allez, ça repart. Hey, hey, ça repousse chip de l'autre côté du corner. Il va trouver la solution quand même. Ah, le devant derrière qui est bien gardé par la Drake. Mais attends, qu'est-ce qui va se passer? Et la Drake qui vient ouvrir. Oh là là, très bon merci. La Inno qui remporte le premier round. Ah, il faut dire que la Inno, elle n'a pas démérité face à la vitesse de chip. Hein. Ouais, elle a des bonnes bambouilles. Oui, oui, oui. Allez, c'est reparti. Voilà, l'ouverture trouvée par Pataxus. Il va essayer de mettre la pression en cadre, mais Lord Rake qui ne se laisse pas compter. Voilà, qui trouve les ouvertures. Le chip qui fuit. Allez, qui obtient le point. Le chip qui a son burst. Voilà, ça va burster. Il est presque mort. Et une balle de un premier match. Et ça gagne. Premier match remporté par Lord Rake. Petite difficulté pour le Shinobi. Hein. Ouais, le Shinobi là, il s'est fait presser. Ça a été très compliqué. Ah, le rock'n'roll est là. Allez, c'est reparti. Là. Le type qui va attaquer directement. Donc, il va pousser au corner. Il va mettre les embrouilles, mais là, Inno va se faire solide pour ses appuis. La pression du type. Relâche pas la défense. Voilà, ça y est. Voilà, la barre de burst qui est assez élevée. Là, ça pourrait faire très mal l'ouverture. Comme ça, par exemple, le burst qui est raté, bien bait. Hey, ça va faire mal. Ça va faire très mal là. Ça casse le mur. On se retrouve en neutral. Et nous, si on prend un petit peu, c'est devant. Oh là là, ça c'est dangereux, mais ça, il s'en sort bien. Là, Lord Rake, on a mis l'ouverture, la fin directement, le cancel, et ça tue. Ouais, Pataxus qui prend son premier round. Il débloque le compteur. Et là, il nous, qui part directement à l'attaque. Et ça va pousser encore en mer. Hey. Le chip hein, qui prend très très cher. Le wall plat. Hein. Ah, le chip avec sa barre de vue en mousse là, qui s'est fait atomiser en début de round. 10 secondes, il a perdu 70% de barre. Allez, ça y est, trop d'ouverture. Allez, allez. Il va pousser. Il continue. Très bonne défense de l'ordre. Voilà, ça appuie la super, ça cancel au cas où. Voilà, ça remet au corner. Là, ça va être compliqué pour le chip. Là, les embrouilles de Inno. Devant, derrière, overhead, hey, la chope, double chop, la double chop. La double chop qui tue un partout. Et une balle donc de 2-0 hein, pour Lord Rake.
Double touche aérienne. Qui va essayer d'aller que l'Aino c'est low ou overhead. Hein. C'est les embrouilles. C'est l'un ou l'autre. Mais le chip il est pas en reste à niveau embrouille. Voilà, il a ouverture avec un low. Voilà, il va ne pas casser le mur. Il y a le burst du côté de l'Aino. Il va la laisser faire. Voilà, il va dans le bon. Ah, c'est bon, le beau bait. Hein. Il a bien bait le burst, tout à fait. Par contre, l'Aino quand même qui est très mal embarqué là dans ce match. Eh, le devant derrière, les mix-up. Cross up devant, derrière. Bien joué à Pataxus, hein, parce que là. Là, ça va vite. Hein. Ça va vite. Très solide le chip de Pataxus. Il est un peu dans le futur au niveau de la. Oui. Des cancels un peu improbables et souvent ça surprend beaucoup. Et là, c'est vrai que Ino, elle aime beaucoup zoner. Et là, Pataxus, il laisse pas le temps. C'est compliqué. Il y va. Ah, c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est un chip rush gun comme ça. Alors, les petits cancels, hey. Voilà, ça met l'embrouille du futur, c'est plus le devant, derrière. Ah, ça arrive de partout là. Ça arrive de partout, le dragon qui était vraiment là par contre. Allez, c'est Ino qui va reprendre l'avantage. Allez, le beurre tout de suite pour éviter de se faire trop, de prendre trop de dégâts directement. Allez, c'est parti, allez, Ino qui reprend l'avantage. Allez, ça y va. Ça attaque. Ça se cherche, ça recherche l'ouverture. Allez, le dive kick là, allez, ça y va. Là, Ino, qui prend le compteur. Oh là là, il tue pas, il a drop. Allez, toujours le pressing. Ah, l'ouverture de la. Allez. Le saut qui la saute. Voilà, super piqué, ça va être puni. Allez. Et on piffe pas ici. Enfin, si on piffe, mais. Faut que le pif passe. Ça, voilà. Là, il a pas eu raison, là. Donc, c'était un pif. Non, c'est une lecture d'avenir, pas pareil. Allez, il y a un break, là. Quelle tabarre de heures, quand même, là. Ah, le dragon, le dragon. Par contre là, c'est en bagdad, des devant, derrière. C'est pas fini, il y a son burst, il n'a pas claqué son burst, il ne sait pas comment claquer, il va mourir sans claquer son burst. C'est dommage quand même. Ça a tenté le bait, mais c'est pas passé. Le burst est claqué, oh là là, le death qui n'a pas été chargé. 57 pour éviter de s'en punir. Il peut remonter là, Le type a descendu très vite. La remontada avec son pixel de vie là, c'était compliqué. Après, il faut pas oublier que Chip, ça reste une chips. Et, ouais, tout à fait. Ah, c'est drôle. C'est comme dans son nom. C'est ça. La Chip qui met la pression. Encore un là, il essaie de s'en sortir. Voilà, avec la dash kick. Il va chercher les embrouilles. Elle, c'est Chip, c'est plutôt devant derrière et nous, c'est plutôt haut en bas. C'est. De mix-up à l'Aino Dragon, tout le monde est égal devant le dragon. Ah, et là, on a le droit au multiclonage Jutsu. Mon Jutsu, et là, par contre, ça va tuer. Ah, ouais, c'est très très dur à garder. Hein, ce. Là, c'est une très très grosse pression qui a été mise. Et donc, Pataxus qui revient, là, qui gagne 5-1 apparemment, hein, cher régisseur. 5-1. Hein, c'est inversé. D'accord. Donc on corrige, c'est bien 2-1 que Pataxus mène. Oui, c'est. Supprime et remets. Oh là. Bon, regarde ça, le type là qui s'est amusé sur le mur. Hein. Là, ça saute, ça court, ça envoie dans tous les sens. Hey, ah, ça tue directement, ça, la super. Ah, il a super, c'était la fin. Et voilà, le cancel. Ah, le joli dragon qui est calé. Ouais. Suite au RC bleu. Ah, c'était beau. Oh. Et alors, Drake, qui a un petit peu du mal, là, qui se fait un peu retourner le cerveau quand même par Pataxus. C'est vrai que c'est éprouvant, hein, un type comme ça qui bondit dans tous les sens. Allez, c'est évident, ça fatigue les yeux. Ça fatigue, voilà. Il ne cesse pas faire. Ah, le dragon là qui vient punir. Ah, la shop SP, la fameuse. Ah, ça presse le. Allez. Qui est repris, qui est bursté. Le burst pour éviter de trop prendre des dégâts là sur cette ouverture. Donc là, bah, il est coincé en corner. Ça. Oh là, le cutter qui est trouvé. Ah, hey, ça va le confirmer. Le cancel. Le combo, encore. Le petit CV. Ah, c'est pas fini. Hey, hey. Ça va finir, il tue sur cette phase.
Il fait. Et là, c'est la victoire. Deux fois de plus, trois. Bravo à lui. Et l'ordre qui n'a pas démérité quand même. Ouais, il n'a pas démérité. De toute façon, il aura son match de troisième place. Hein, la... Et oui, la place de l'argent. La hein. place, toujours l'argent. Voilà. L'argent. Très important, l'argent. Le match est plus important. Et donc, on va maintenant accueillir Léos. Avec son Léo des Enfers. Et nous notre set avec les braquettes, tiens, on va un petit peu. Les derniers. On transitionne un coup. Ah là, il n'y a plus de. Donc, tu retournes dans le. De quoi c'est à vous qui l'a mis dans. Ah là, tu ouvres. Tu reviens dans OBS. Voilà. Voilà. Donc, voilà le match, il est pas. Le reste du match n'est pas encore rentré. Là, il faut mettre les lunettes, là. Donc, nous. Actualise. Ah, on nous dit que. Le résultat est rentré. Voilà, donc on retrouvera Pataxus en finale. Et là, on va tester donc... le vainqueur entre Neos et Akrid. Akrid, un Nago aussi des Enfers. Un Nago qui ne laisse pas également le temps hein, de déconner. Ça envoie. Mais voilà. En tout cas. L'Ordrak qui s'en est très très bien sorti malgré cette pression de l'enfer contre le chip de Pataxus. Alors le joueur 1, c'est donc Akrid. Akrid. C'est ça. Akrid et Kirby, voilà. Et ça sera Neos, tout Neos. Simplement. N-E-O-S. Voilà. Alors que... on entend en fond les joueurs de Melty, les joueurs de Melty hein, qui ne sont sans cesse depuis ce matin. Qui n'ont aucune fin. Ils veulent jusqu'au bout de la nuit. Ils chargent les joueurs pour jouer à Melty. Hein, mais jouer à Melty, hein, la communauté, la communauté est trop bien. Non, Smash Bros, c'est pas aujourd'hui. C'est plus tard. Vous êtes assez nombreux chez Smash Bros, c'est bon, ça suffit. Envoie-nous le match, il a plutôt envie de faire des bêtises. Ok, donc... Akrid contre Neos. Les gars, vous pouvez y aller quand vous voulez, voilà. Ouais, voilà, c'est parti, bon match à eux. Donc comme je disais, Donc le Nago hein, de Akrid hein, qui est très violent. Qui a fait, bah, d'ailleurs, qui est au grand titre, hein, qui a fait un très beau résultat. Deux joueurs et aussi, d'ailleurs, deux personnages qui sont très agressifs. Hein. Ouais. Deux joueurs aussi, c'est pas agressif. Voilà, ça commence, ça envoie le dragon. Arnaud, ça casse pas peur de kiffer. Hein, voilà, ça se retourne, ça beurre. On a rien à foutre. Le dragon, le dragon. La chope pour empêcher. Allez, hey. Voilà. On va chercher les ombres. Le dragon RC. Ça dragonne toute la vie, mon gars. Le dragon chez Léo, c'est un peu c'est ça spécial. Hein, c'est... Ah. Ah, mais chez lui particulièrement. Oui, chez nous, on a des Léo qui butent beaucoup, mais. Oui. On a trouvé mieux encore. Là, c'est le deuxième qui va rentrer. Ça va tuer, ça. Ouais, ça tue. Tout de suite. Ah, on voit que ouais, ça joue agressif. Hein. Ça va vite. Ça tape. Le dragon qui attaque tout de suite. Les gros coups d'épée. La chope est bien trouvée. Pour éviter les embouts de Léo. Le meurt tout de suite. Voilà. Et là, c'est Dago qui s'est retrouvé coincé dans le counter. Voilà, hey. Le RC. Voilà. Ah, qui a été bien bait. C'est beau. Le meurt qui a été bien bait, tout à fait. Et là, le Dago, voilà. Toujours en neutral. Hein. Ça tape tellement fort. C'est un vrai bulldozer, son Dago. Ah, c'est... Ouais, le dragon, ouais, c'est du... il y a du Street Fighter 4. Voilà, ça y va, ça sulfate. La sulfateuse des pays, hein, c'est... C'est-à-dire, il y a 1-0 pour Neos, il y a du Street Fighter 4. Akrid. Non, pas pour Neos, non, je n'ai pas de BD. Bah alors, régisseur. Ah, la faute du régisseur. C'est la faute du régisseur, toujours, stagiaire. Ah, ouais, voilà, le dragon, hein, c'est... Ah, on l'a dit. Le petit setup là devant derrière, mais qui ne touche pas pour faire des dragons de tous les centres. Il n'y a jamais aucune embrouille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ah, ça fait le double dash avant-arrière. J'arrive même à savoir qu'est-ce qu'il a fait niveau sacré pendant le round de boule.
on va aller regarder ça. Ah, là, là, je pense que là, il doit y avoir une rancœur intérieure qui date, hein, parce que là... Ah, après, il va pas se laisser faire, vous inquiétez pas. Il a des arguments à faire valoir. Voilà, voilà, les coups d'épée s'envoient, mais le dragon... Le dragon a toujours raison. Ah, le... En tout cas, Chineos. Ouais, le passé qui cherchait, voilà, le RC jaune. Voilà. Ça ne tue peut-être pas. Ça va faire très mal quand même. En tout cas, là, il se met en très mauvaise position, là, Léo. Il met le dragon. Oh là là, avec le dragon. Moi, on m'avait dit que le dust, ça passait plus à ce niveau. Non, non, c'est... ça passe. Il y a toujours de la place pour le dust. Oui, toujours. Le dust, c'est comme le dragon, c'est sans modération. Allez. Ah là, ça y est, enfin Akrid qui gagne son premier round. Le temps qui s'adapte. Voilà, c'est ça. Le petit temps de téléchargement. On va de chercher les résultats. Voilà, ça met la pression, ça met la pression tranquillement. Il y a le qui va trouver la shop. Ça, il vient de dire, c'est notre première shop d'appui aussi. Hey, hey, ça met le gros pressing, voilà, le backdash qui a permis au Dago de s'en sortir. Et là, par contre, il faut tout bien que le record, voilà, le counter, l'overhead. Voilà, ça, c'est là, il est passé et il a super et instantanément. Ouais. Et que Léo dans le corner, en stance, quand il est retourné, c'est terrible. C'est la violence. Là. Alors, si je dis pas de bêtises, Léos. Ah, ça change la musique apparemment pour se mettre dans l'esprit du jeu rock'n'roll. J'arrive pas à voir le résultat. Léos, il est là. Tac, tac, tac. Alors, il aurait fait. Il a gagné 2-0 déjà à l'année. Hein. Mon cher Dame Dame. Oui. Néos avait gagné 2-0 contre Akrid, c'est ça? C'est la même. Pendant le round robin, ouais. Ouais. Donc là, Akrid a tout intérêt à montrer les crocs. Ouais, là voilà, pour l'instant, c'est le même résultat. Ouais, peut-être un match. Après, il est compliqué son Léo, on va pas se mentir. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que t'as pas trop de la place pour les mix-up parce que le dragon, il arrive très rapidement. C'est ça, c'est ça. Il y a le dragon, il y a la shop SP, il y a la stance. C'est une charge pour dragon, donc il faut devant, derrière, c'est la même manise. C'est un perso qui est très équilibré, mais offensivement. la chope qui est bien trouvée, la chope aérienne, ça c'est très bien joué. Ça va le faire un petit peu, voilà, l'ouverture qui est trouvée. Voilà, le beurre, temps de respirer. Le death qu'on charge qui passe quand même. Le dragon, le dragon. Il n'y a pas de frame trap, il n'y a pas de trucs, tu vois, c'est sa dragon direct et voilà, ça repartit encore une fois. Hey, hey. Par contre, le Nago qui a fait deux barres, il n'était pas prêt à avoir le temps pour servir. Après, moi, il avait la super du côté de Néo sur la petite armée de son adversaire. Oh là. Le cancel, hey, la petite chop. Double chop. Il va encore sa barre de. Ah, il va encore sa barre de super, il va encore. Ah, le dragon. Toujours le dragon. Ah, c'est bien joué, je pense qu'on peut l'appeler. Mais ce qui est impressionnant, c'est que Néos, il a quasiment le droit pour faire dragon, genre, tu sais. Le dragon, c'est quasiment rentré. Hein. C'est Néo Targaryen, quoi. Je sais même pas si il a fait passer un seul dragon en garde. C'est impressionnant. Ah. Par contre, il a fait mentir. Effectivement, derrière, contre un acte. Ah, ça a été très bien puni de la part d'Agrid. Hein. Un gros perfect, voilà, pour se remettre dans le droit chemin. Le droit chemin qui est pavé de dragon apparemment. Voilà, on respire. Et hein, faut mettre le... Il a peur maintenant, il a peur. Oui, 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 oui. Il a peur du dragon, mais il a délègue le dragon quand même. Il est quand même rentré dans les coups. Voilà. Voilà. Et là, effectivement, contre un Nago, le dragon, s'il est whiffé ou s'il est bloqué, c'est. Ça peut faire mal quand même. Ah, voilà. Un bon 60% de dégâts facile hein. Bah c'est Nago quoi. Allez, le bloc est trouvé, heureusement ça va beurre du côté de Néo, je pense en sortir. Ah le dragon dans le ça tue. Et voilà, le dragon n'est pas la solution ultime hein. Ah bah là, ouais, toi bizarrement, je disais qu'il avait raté le cas, et là on dirait que. La pression. Akrid il commence peut-être aussi à savoir. Quand intervenir les dragons, tu vois. Est-ce que ça serait la pression? Est-ce que ça serait
Ouais, je pense que c'est assez d'habitude. Peut-être le téléchargement du joueur. Le dragon, c'est possible. Putain, regarde, c'est Leno qui touche à une distance folle là. Voilà, hey, hey, il est en train de chier là. Donc, ça va presque rempli au Nago là. Attention. Attention, ça redescend, ça redescend. Donc, il faut faire attention parce que là, Leno fait la mort quasiment là, pour lui. Léo, c'est un peu en difficulté là. Ouais, il a du mal à approcher. Ouais, il a tenté. Ah, ouais, voilà. Akrit qui se remet bien là, c'est, il est bien reparti. Un petit peu de zoning, plus, ouais. Plus des bonnes punishes, des bonnes lectures de dragon. Et là, ça, il a déjà le jeu un peu plus facile. Moi, attention quand même à l'agression du Léo. Mais voilà, le combo d'épée, c'est. Ça va se donner 57 minutes pour éviter de se faire punir. Par contre, la l'ouverture, elle est trouvée par Neos. Hey, hey. Dans le corner. Ça a cassé le mur, on repart en neutral. Ah, attention. Et là, c'est la mort, Et l'erreur. Ouais, ça, c'est. Mais ça, c'est compréhensible. Face à un niveau comme ça, honnêtement. Mais après, moi, comme il a tendance à beaucoup rusher, c'est vrai que ça lui arrive, relativement souvent de. D'exploser, ouais. Aucun temps, mais c'est pas très bien. Ah, voilà, le gold de Burst qui peut laisser des possibilités, hein. Nago, ouais. Et hey, hey. Ça ira pas plus loin pour ce combo. Ça se regarde un peu, ça cherche l'ouverture. C'est-à-dire que ouais, bah là, il ne veut pas trop se pardonner le Léo, par contre, là, voilà, avec son il est passé avancé, malheureusement, il prend la chope. Dragon, hey, hey. Est-ce qu'il va lui faire dans la feuille? Il va chercher un autre voilà, on reprend un peu d'espace. Par contre, le Nago, c'est pareil, qu'à sa barre, qui commence à être dangereusement haute. Oh, joli chope. Joli chope aérienne, hein. Bah, je pensais qu'il avait été effectué pour éviter de se faire finir, mais c'était un peu trop tard. Hey, le pressing du Léo, attention à la là, là, là. Ça va faire mal, ça va tuer ça. Ça va tuer. Hey, GG. Bravo. Aneos. Aneos. Pas très beau match. Que de dragons. Moi, je dis, sur un FT10, Akrid, il y a moyen. Ah, il y a peut-être moyen, En tout cas, c'était le. Très, très, très beau jeu. C'était la fête du dragon. Et en tout cas, ils n'ont pas tous passé, mais. Il y a eu. Il y a eu un bon 80%, 85% quand même. Un beau taux de réussite sur le dragon. Par contre, voilà, le peu de whiff et le peu de blocs ont été bien punis derrière. Hein. Ouais, là, malheureusement. En tout cas, j'ai joué au joueur. Hein. On va conserver Akrid sur le stream pour la match de la troisième place qui va recevoir donc leur break. Exactement. Donc, je pense que tu peux mettre Akrid à la même place. On va faire Neos par l'en break, s'il te plaît. Tu vas y arriver. Et puis comment, tu commences. Voilà, c'est ton premier jour. Ton premier jour à la maison. Ouais. En tout cas, on assiste à des matchs de grande qualité quand même. Hein. On voit assez peu d'erreurs au final qui sont commises. Hein. Que ce soit de part et d'autre. Ouais, tout à fait, ouais. Alors. Donc on me signale dans l'oreillette que les deux joueurs sont prêts. Donc on va pouvoir y aller. On peut y aller, ouais, on peut y aller. Allons-y. On souhaite bon jeu aux deux joueurs. À savoir qui repartira avec le plus de sous-sous. Qui repart avec l'argent et qui repart les mains dans les poches. Rendez-nous l'argent. Ouais, nous, chez Game of Garden, on a combattu vaillamment, mais malheureusement. Ah, c'est. Les top 4, on n'était pas admis au top 4 apparemment. Effectivement, même si on a eu un joueur qui n'était aux portes du top 4. Hein, parle de moi, là. Lourd. Ah! Pas que tu parlais de moi. Non, toi, tu étais très bon. Plutôt aux portes de New York, c'est pareil. Donc ça commence hein, très très fort. Ouais, bah déjà, on a à peine le temps de discuter que Lord Drake a déjà perdu 70% de barre. Un combo. Ouais. Un combo du Nago, hein, c'est. Le Nago qui peut enchaîner ça là. Hey, hey, il a des bons mix-up aussi en corner. Hein. Et voilà, ouais, le très beau coup d'épée. Hein. Le flash. Il a tranché en deux. Là, Inno, ça va être
Je sais pas, ça va pas être compliqué, je connais pas trop ce match-up, je sais pas, ça va être compliqué peut-être de rentrer. Je pense que effectivement, les défenses du Nago. La Hino a de très bonnes capacités de zoning, mais le Nago derrière a quand même cette facilité à ouvrir la moitié de l'écran, quoi. Hey, hey. Voilà, il faut ouvrir, il faut y aller. Les fameuses mauvaises. Voilà. Et sous la pression, voilà, c'est très très fort. Super. Allez, donc il se met derrière ça. Voilà, ah, là, là, la chop. La contre-chop. La contre-chop qui vient en finir. Voilà, donc Lordrak qui envoie pour ouvrir le bal. Hey, hey. Nago, hey, voilà, qui n'a pas récupéré son burst à temps. Hein. Non. Mais Nago, bon, il a quand même pas mal de vie perso, hein, donc Oh, ouais, le burst whippé, ça fait pas mal. Mauvais burst. Ça, c'est très dommage. Nago, qui va rechanger pour s'en sortir. C'est quand même bien pressé, ah, malgré ça. Ah oh là là, le whip qui a pas été fini, de la part du Nago. Ça tente les coups d'épée. Ah ouais, il cherche le... On essaye d'ouvrir, On peut dire un peu des full 6, hein, presque. Les filles dans l'utilisateur, c'est pas trop le... Mais la shop. C'est pas trop le bail des full 6, mais... La shop est universelle. Hein. Ouais. Le petit zoning. Sachant que... Ça repart à écrit, hein, histoire de temporiser un petit peu entre les deux joueurs. Hein. Non, ils n'ont pas. Ils n'ont pas inversé. C'est toujours à cri de. On avait vu hein, que Lordrak a une aussi une très très bonne défense. Mais derrière, effectivement, faut réussir à trouver l'ouverture. Derrière cette pression qui est le monstre à cri des. Tout à fait. Et son Nago. Allez, c'est reparti. 1-0 hein, pour Akri toujours. Voilà, il se place, c'est la science du placement, de se mettre à pile à portée pour bien coincer la Hino. Voilà, pour bien coincer la Hino. Par contre, ça, il y a Hino qui a fait à partir. Hey. Les combos de la Hino, ça envoie, ça déroule. Les overheads de l'infini. L'ancienne qui va casser le décor avec une super. Ça va récupérer l'eau qui se met derrière. Voilà, ça va. Bonne défense avec le guard-break de Hagrid avec le backdash. Ah là 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 là. Ah, de toute façon, le Nago, quand il explose, hein, ouais, à ce niveau de jeu, généralement, c'est terminé. D'ailleurs, je t'avais dit tout à l'heure, hein, c'est un très très bon joueur, mais c'est un de ses défauts, malheureusement, c'est que il faut pas toujours attention à sa barbe. Est-ce que ça serait dû à la pression ou... Ah non, le style de jeu est très agressif. Le style de jeu, c'est un petit peu, ouais. On est deux conseils pour être super finir, mais il faut prendre un petit kick aérien, voilà, contre la barbe qui est mal. Mal en poil en plus de cette heure. Oh là, voilà, très joli. Vraiment. Ça a déroulé là. Bloqué en corner un peu gros neutral. Et voilà, le joueur directement écoulé. Là, c'est encore Akrid qui remet la pression. Là, Hino qui a du mal à s'en sortir. Ah, voilà. Il a beaucoup de mal à s'en sortir. Akrid qui a une barre de super. Qui va directement le grand le bleu. Et très joli. Oui. Le perfect. Voilà, le 5 est un 2 en fait, le coup qui acclame le Lordrak. Et Taïno, Dubois. Ça encourage, hein, dans le public, on entend. Ça encourage dans le public, Lordrak. Ouais, ça repart, on s'exprime. Est-ce que ça tente un petit peu. Est-ce que ça serait pas un changement de perso du côté de Lordrak? Ça réfléchit. À mon avis, ça réfléchit. Parce qu'il faut savoir que Lordrak joue plusieurs persos. Hein. Apparemment, ça demande du sol ou du Alex. Ça joue le fameux, le gentleman. Le lotier. Le lotier, gentleman. Non, il n'est pas si lotier. C'est le grappleur à distance. C'est le gentleman. Eh ben, on va voir. Va-t-il avoir après, plus de résultats? C'est pas toujours facile de changer de perso comme ça. Non, il y a des. Surtout sur une balle de match, là. Ça peut être compliqué. Après, il faut savoir que Kai a
certains avantages hein, par rapport à Nago. Il s'en sort pas trop mal. Voilà, ça déroule. Voilà, il sort directement pour se faire courir au corner. Il a bien rattrapé. Hey. Le backdash. Le dragon, voilà. Et là, la différence, c'est que là, maintenant, il a un vrai dragon, là, donc ça pourrait être intéressant pour faire un grand bruit. Voilà. C'est un Madrid qui a une bonne avance, là, pour l'instant. Voilà, il va tuer, là, tout de suite. Hey. La chope SP, une tout versé. Et déjà, une balle de match, hein, pour Madrid. Il démarre bien son match là, hey, oh là là, il a mis cher directement, il a pris 50% le break là. Encore derrière, voilà, la chope est trouvée. Ça va être un peu gros, voilà. Le backdash. Il aurait pu mieux faire là, quand même, c'est dommage, il aurait pu plus en profiter. Ouais, allez. Il a essayé de chercher le zoning là, mais. On le laisse en shock state. Aucun ulti. Et voilà, il a pris le zoning de Dago qui est beaucoup trop de là. Ça va prendre celle pour aller mettre un gros pressing. Oh, le Fendkeeper. Allez, il va s'en sortir, c'est lui maintenant qui va aller. Ah là là là, top, on a mieux voir instantanément. Là ça déroule. Très très mal là. Allez, est-ce qu'il peut nous remonter ça? Il y a balle de match contre lui. Voilà, le pressing, voilà là, là, le death, il a plus de pièce, ça tue, mais ça tue. C'était trop dur, Les coups d'épée sont trop gros. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, félicitations en tout cas à Landrake hein, qui a fait un très beau tournoi quand même. Exactement. Top 4 tout de même. Top 4. Hein, En round robin. Donc, c'est un beau résultat. Oui, tout à fait. Tout à fait. En plus, il a un très beau pull Pikachu Rocket Team Rocket. Ça serait pas les cyborgs. Le Red Ribbon ? Non, les cyborgs dans Dragon Ball. Ouais, c'est pas le Red Ribbon. Oui, le Ruban Rouge. Exactement. Tu parlais pas anglais, désolé. Ça serait pas ça plutôt ? Je ne sais pas, il faudrait pas lui demander. Il faudrait demander à l'intéressé. Mais... Laissons-le analyser de manière. Oui. En tout cas, félicitations aussi hein, donc à Creed pour sa troisième place. Exactement, qui prend les gros sous. Qui prend les sous en tout cas. Exactement. C'est le plus important. Alors maintenant, on va assister à la grande finale. Qui va donc nous voir affronter donc Neos hein, avec son Léo. Le Léo du dragon. Hein. Le Léo du dragon. C'est, on l'appelle Néo Targaryen en la référence. Alors, au niveau des joueurs, qu'est-ce qu'on va avoir, mon cher régisseur ? Je vais te dire de suite. Allez, ça change les touches, ça se prépare. Ah, ça donne tout. La petite musique pour t'ambianter. Exactement. La musique rock'n'roll, la musique très important. Donc on retrouve. Donc Dokuno en genre 1. Dokuni en genre 1. Dokuni, Léo qui a gagné. Non! Dokuni. On retrouve donc du coup. On retrouve donc Dokunu avec son chip. Et Neo. Pataxus, oh là là. Oui, Pataxus, pardon. On confond. C'est mon régisseur qui me fait. C'est son premier joueur. Non, c'est pas Dokunu, c'est Pataxus. C'est Pataxus. Non. Ça va être modifié tout de suite. Ça démarre, Pataxus. Allez, ça va voilà. Un max d'encouragement pour les deux joueurs. Et Neos, donc là, qui met directement la pression. Voilà. Pataxus qui est. Le beurre pour s'en sortir. Il va falloir voir ce que ça va donner parce que. Il met des très bons pressings, Pataxus, mais est-ce que. Face au dragon. Qu'est-ce que ça va donner face au dragon? Est-ce qu'il aura le temps de dragon?
Voilà. Ça, le dra- oh là là, le dragon RC. On nous offre directement. Pas de kick, une légère avance, mais bon, avec sa barre de vie en mousse. Là, ça va être un RC. Comme là, par exemple, est-ce qu'il va réussir à tuer là-dessus? Ouais, il va te tuer. Et oui. Aïe, 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 ça tue. On n'oublie pas, hein, le chips, c'est ouais, le chips. C'est cruel. C'est cruel pour son joueur. Voilà, le dragon directement, allez, pas d'embrouille. Et l'eau. Ah, ça m'éloigne. Voilà, ça, là, ça va commencer ça à dérouler. Ça déroule. Le petit dive kick. On voit tout de même. Oh là, le bar qui était pas mal claqué là. Ah, là, il va prendre cher là-dessus. Hein. Et dragon, le dragon, le dragon. Il sauve des embrouilles. Allez, il va chercher la chope. Oh là, là la chope, il est whiffé. Hey, hey, voilà. Et derrière, on va la super. Un round partout. Ça a été une très belle solution trouvée hein, par Patakut. Ouais, tout à fait. La bataille aérienne qui est gagnée par le dragon. Et oui. Et il a un dragon aussi. Le petit pas un dragon aussi. Il faut pas oublier. Voilà, le petit projet qu'il faut mettre. La pression, encore meilleur. Voilà, le dragon qui envoie n'importe comment. Ça, c'est dommage. Le voilà, dragon. Contre, là, il n'y a pas de devant derrière contre Léo. Le marque les inquiète un peu dans le vent, mais ça n'a pas été bien puni. Hey, la dive kick, là, pour remettre encore l'air. La pression. Hey, hey. Ça, il n'arrive pas à mettre la pression complètement. Mais, oh là là. Il y a pas de sur le corps, quand même. Le dragon. Voilà, il va réussir à se battre. Oh, il va réussir à tuer. Il n'a plus, il avait plus 4 pixels de vie. Il y a eu une petite erreur, je pense, de la part de notre cher Neos qui a été très bien rattrapé. Tout ouais, tout à fait. Et ça fait donc 1-0 pour lui. Là, on va analyser la situation. On sent que la vitesse de jeu, effectivement, sûrement du haut chip, est très, très, très intense. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Ça RC, ça beurre dans tous les sens, ça y va. Et le dragon. Le pressing infini. Le dragon directement. Oui, voilà, il va pas la mettre en boule. La garde qui est bonne là du côté de Pataxus. Là, la chacun qui est trouvé, il a presque. Oh là là, ça a déroulé. Là, c'était un très très joli round. Léo, la première fois qui déroule, comme tu dis. C'est assez compliqué là pour Pataxus. Voilà, qui va quand même trouver. Voilà, qui va pas se laisser faire non plus. Le beurre pour éviter de prendre trop de dégâts. Voilà, le astral. Ça n'ose plus, t'as vu, ça n'ose plus l'attaquer. Oui, on voit que les deux joueurs sont quand même très prudents. Face à leur adversaire, ça respecte. Mais jamais assez. Mais voilà, le Néo, quand voilà, il ouvre. Ouais, ça fait mal sur Chip, ça fait très très mal. Et là, le type qui se retrouve donc. Le RC bleu pour ouvrir. Avec une balle. Oh, le contre lui, voilà. Après, s'il le pousse le mur, il va. Ah non, ça va, il n'a pas réussi. Allez, allez. Pas d'excuse pour le moment là. C'est raté, dommage. Puis là, il va tuer son second ciel. Ah, ça. Attention, attention. Ah, le beurre pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Ah, puis ça le tient pour le dragon, voilà. Voilà, comme quoi, le dragon a battu le dragon. Qui vit par le dragon meurt par le dragon, c'est bien connu. Exactement. On ne peut pas profiter comme ça rapidement du dragon. Et voilà, j'ai l'impression que Pataxus joue un peu le jeu de Neos, hein, un dragonné. C'est une dragon dans tous les sens, je vais faire pareil, t'inquiète pas, j'en ai un aussi qui est très bien. Exactement. Même si l'exécution quand même est beaucoup plus facile du dragon de Neo, effectivement. Il n'a pas souci d'être à gauche ou à droite de son adversaire pour l'envoyer. Et l'ouverture qui est trouvée, par Pataxus. Ouais, mais ça pousse Léo, quoi. Là, il est bien en avance, là. Ah, là, par contre, le dragon, hein, le Léo, quand c'est, qui permet de ouais. Sortir. Il va chercher les mini-sub, bah, voilà, le devant derrière, vous pouvez. Encore un devant derrière, il va mal, et non. 2-0 pour Léo dans cette grande finale. C'est compliqué pour Pataxus. Mais Pataxus qui commence un peu à trouver des solutions, j'ai l'impression, face à Neo. Hein. C'est difficile. Ah, il est même pas retourné au caractère fait avec la caméra. Là, c'est. Il veut y aller tout de suite. Il voilà. Embrouille, hein, mais malheureusement, il n'y a pas d'embrouille, il y a juste un dragon. Voilà, la chope derrière. C'est Neo, voilà, qui... Les tentatives de mixup sont annihilées complètement par le dragon de Neo. C'est ça.
Ça bloque vraiment ton jeu. Ça lui réduit énormément ses possibilités. Hein. Par contre, là, quand même, c'est la tactique qui va casser le mur, voilà, qui va prendre un petit peu de dégâts supplémentaires. Il a une barre de super, voilà, il va cancel le jeu, il va cancel le jeu de côté. Et bientôt, là, il a avancé. Est-ce qu'il va tenter? Ah là là, oh là là, il y a eu des drops bizarres là. Il y a eu des drops très bizarres, le drone derrière qui n'est pas passé, mais c'est plutôt un bait. Et voilà. Là, il s'est énervé, Patakus. Il a montré de quel bois il chauffait. Il a montré un peu le pouvoir du Taijutsu, quoi. Tout à fait. Et donc une balle, enfin non pas de balle de match, mais une balle de 2-1 pour pas d'acquis. Exactement. Est-ce que ça ne serait pas la remontada face à ces combos qui sont très bien exécutés? Tout le mal pour une couette. Ouais, on a une manette qui a plus beaucoup de batterie. Pensez à recharger ces manettes, les gars. Allez, le dragon qui est trouvé directement. En attendant. Pataxis qui gratte quand même la vie du Léo. Ah là là, oh, les basse karaté, ça va faire mal, ça va tuer ça. Est-ce que ça va tuer? Il a pas de barre super, non, ça ne tuera pas. Ça ne tuera pas cette fois-ci, mais bon, attention, là-bas, ça va être compliqué avec un micro-pixel. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Attention au type damage. Ah, voilà, oh ouais, ça s'est dégagé, c'était la punition instantanément sur le projectile. Voilà, avec les decks qui va chercher les embrouilles, on est au quand même tombeur, ça peut s'en sortir. Ah la Dave Stick qui parle en tous les sens, voilà, là, quel dommage. Ça c'est Ben de Pélo à la télé, si bien exécuté. Ouais, et là, balle de match hein, pour Léos, balle de 3-0, voilà, le dragon qui passe directement. Va-t-il remporter le pressing avec ses projectiles, voilà, c'est mal embarqué, là, pour l'instant, par Patakus, voilà, il prend le counter là, super, il va casser le mur, il va faire des très gros dégâts. Et ils sont en grosse difficulté là. Le Medchi là pour. Ah, c'est bon, Patrick Scar va quand même s'en sortir. Là, il y a il va y arriver, ouais, il tape bon, il peut le faire quand même. Voilà, par contre, attention. La garde qui est parfaite là, du côté de Pataxi, ça sort très très bien. Dommage. Ah, c'est terrible. Et là, on finit Philippe qui remporte du coup. Le gamin regardé numéro 4. Exactement. Wow, bravo à lui. C'est le plus beau. C'est Neos, c'est lui-même. C'est le dragon. C'est le gros dragon. Le Neos, c'est le dragon. Professionnel. Le Targaryen. Ouais. Après la mère des dragons, on a le Léo du dragon. Il a dû se dépêcher parce qu'il n'avait plus de batterie, donc il a torché le match rapidement. Ouais, là, il n'avait pas le temps. Là. Je vais faire venir Pataxus pour recueillir ses impressions, s'il veut bien. Tu m'as laissé la place? De quoi? Tu m'as laissé la place pour une interview? Ouais. Allez. Ah, merci à toi, Paco. Allez, avec plaisir. A plus. On te fait des bisous. Et voilà, je viens de gagner un but. Et ça va être. Voilà, Pataxus et Pataxus, nous sommes deux Pataxus. Ah, ça y est, arrête un peu. Donc, monsieur Pataxus, hein, le type des enfers. Ouais. Alors, c'était un beau match, hein. Félicitations à vous quand même, top 1. C'est une belle place. C'était dur contre Léo. Très mal joué. Déjà, en round robin, j'ai gagné 2-1 ou 2-0, je sais plus. Ah, tu l'avais battu en round robin quand même. D'accord. Mais là, j'ai très mal joué. Conseil des temps. C'est pas grave, on parle là pour le stream, t'inquiète pas. J'ai très mal joué sur la finale, je sais pas ce qui se passait. Toute leur drague, ça s'est très bien passé, j'étais fier de moi. Là, mais là, j'étais pas du tout dedans. Là, t'as mal. Comment dire, t'as mal vu tes dragons, c'est souvent ça qui t'a empêché de faire les mix-up. Ça fait très peur. Ouais, ça fait très peur, parce qu'au bout d'un moment, en fait, bah, tu veux faire le mix-up, mais t'oses plus parce que. Avec Chip, t'essayes de mixer tout le temps, mais bon. Il a un flash kick, du coup, ça prend dans tous les côtés, tu peux rien faire, c'est. Le flash kick, bah, c'est très compliqué. Ah, j'imagine. Ouais, bah, en plus, c'est vrai que l'autre, il a une bonne lecture du jeu, même, malgré tout, même si, bon, on va dire, bon, un clip réussi, c'est pas vraiment un pif. Hein, c'est ça. C'est une lecture de jeu. Il en a pas raté beaucoup, mais bon. Ouais, c'est dommage, bon. C'est quand même très bien joué à toi, en tout cas. Non, mais il a très bien joué aussi, franchement, bien joué. On retire pas ça. Merci en tout cas à toi d'être venu hein, et puis merci à vous. C'était sympa en tout cas. Et bah tout plaisir est pour nous. Merci. J'ai appelé Néos maintenant pour voir. Ouais Néos.
Léon. Et vas-y, le grand champion. Aïe aïe aïe. Il tourne la game à regarder numéro 4. Bon, vas-tu, Neos? Ça va, tranquille, écoute. Ça hein. Va. Ça va, ouais. Tu te mets bien là. Ouais, je me suis mis trop bien. Bon, t'as vraiment bien joué, hein. C'était deux matchs bien négociés. Ouais, bah. Bien dragonné. Bien dragonné. Après, je suis connu sur ça, hein. Genre, ah, pour, il n'a peur de rien. C'est ça. Mais en vrai, c'était chaud entre Pataxis. Genre, enfin, je vais à rien du tout à chaque fois. Ouais. Je me suis dit, ouais, je vais quitter le burst alors que c'est risqué, tu vois. Mais quand même, ça a apporté ses fruits, tu vois. Je me suis dit, ça va, je commence à bien concrétiser dessus, tu vois. Et après, à la force que t'envoies des dragons en tous les sens, il n'avait plus trop mixé finalement à la fin. Des fois, on voyait qu'il se mettait, il attendait le dragon, ça dragonnait pas. Finalement, tu délayes, t'en as quand même claqué un. Il le mange quand même, c'était. Ouais. Ça lui bloquait un petit peu son jeu, quoi. Bah, un peu, enfin. Bon, après, je suis connu un peu pour ça, genre, les gens, ils ont peur de pas t'approcher, genre, carrément, ils ont laissé un petit périmètre, attends, je vais mettre comme ça, un petit périmètre comme ça, tu vois, là, je suis ici, et là, normalement, les gens, ce qu'ils font à chaque fois, mais là, contre moi, ils disent, non, on va aller plus loin, genre, on va se taper le dragon, tu vois, mais bon. Le périmètre de sécurité. C'est ça, ouais. Mais bon. Non, mais en tout cas, bah, tu nous as fait des beaux matchs, c'était vraiment stylé. Merci, ouais. On te remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous avoir passé ce tournoi-là, malgré ce qui se passe, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Bah ouais, écoute, on essaye, hein, mais. Tout plaisir est pour nous, en tout cas. Hein. Bravo, bon match et tout. Bah merci. C'était très stylé. Merci, merci, merci. Ouais, merci à vous encore une fois. Merci à la régie, hein. Il s'est trompé de nom, hein, Pataxis, c'est de sa faute, hein, bien sûr. Ah bah c'est normal, du coup ça l'a perturbé, Pataxis. Il commence. Hein, bah mais tranquille, de toute façon, on débute quelque part, c'est obligé. Genre, voilà. Tu peux pas être bon partout, toi. C'est ça. Tout à fait. Eh bien, bah merci beaucoup à toi. Je pense qu'on va quitter ce stream, cher Gwendal. C'est ça. On va arrêter ce stream. Ok. On va faire le compte de groupe pour vous. Merci à tous ceux qui ont regardé, qui vont regarder la VOD. Et puis, si jamais on a l'occasion de refaire un tournoi Guilty Gear, et ben, on sera ravis d'accueillir tout le monde. Et de faire une belle. On a une belle salle en plus. Ouais. On est trop gentils en plus comme Théo. Ouais, non. On va le dire. Non, rigole. Non, en vrai, c'est des excellents Théo. Je suis très content qu'ils font des tournois sur Guilty Gear. Ça fait ultra plaisir. Et voilà quoi, genre, je sais pas quoi dire là, je suis trop content en vrai. Ah, merci à toi, c'est cool. Y'a pas de soucis. Bah, on refera ça dès que possible, et dès qu'on aura du monde, du bon monde invité, ça sera ouais. Un plaisir qu'on vous réaccueillera. Ça marche, bah. Et bien, bonne soirée à tout le monde. Ouais, bonne soirée à tout le monde. Et bah, tu peux quitter, Gwendal, merci à toi.